De retour sur le plateau de TV Service. Oui, votre quotidienne, et oui, c'est tous les jours. Et oui, midi et demi, 17h, 23h, on vous dit ce qui se passe en Guadeloupe. Et puis, là, c'est la période du carnaval, une période qu'on adore. Et on aimerait bien savoir ce qui se passe dans toutes les communes de la Guadeloupe. Ah ben, pour en parler, on va commencer déjà par Petit-Bourg. Et pour en parler, je reçois Mélissa Christophe. Bienvenue. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, et toi? Ben, écoute, on fait aller tranquillement, c'est presque le week-end, on est content. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est parce que tu défiles, toi? Non, je ne défile pas, je n'ai pas la possibilité de défiler. J'organise plus le... Les défilés, c'est plus ça mon truc. Alors si je te dis carnaval, tu penses à quoi? Les gros papos, la chaleur, la... c'est vraiment cette chaleur humaine. Ouais. Pour moi, c'est ça le carnaval, c'est la symbiose, les couleurs, les plumes, les... c'est ça. Est-ce et la musique. Et la musique, alors tu es plus synthé, tu es plus quoi? Moi, c'est groupe à peau. Mon truc, c'est les groupes à peau, oui. Ah ouais, t'es pas synthé? Non. Pourtant, la femme... Ah ouais, non. Oui, je sais que les filles préfèrent, mais non. Toi, t'es... Moi, c'est marcher et marcher en masse, là. D'accord. C'est ça, mon truc. Alors, t'es pas venue pour rien, puisque tu es... Rappelle-moi ton titre, tu es chargée de projet pour la ville de Petit-Bourg. C'est oui, ça. Vous la voyez décontractée, mais je ne reçois que des personnes décontractées sur ce plateau. Oui, on est... Parce que la ville de Petit-Bourg, bien sûr, est toujours en action, toujours oui, en mouvement. Toujours. Et toujours. Donc, pour le carnaval, vous avez prévu pas mal de choses. Donc, on va y aller tranquillement. Papier, stylo, c'est parti. Prenez les notes. Et vous connaissez déjà le principe de l'émission. Vous sortez après de chez vous, mais ça, après l'émission. Donc, premier rendez-vous, le 7. Exactement, le 7 février, donc c'est un vendredi. À okay. partir de 21h, rendez-vous sur la place de la mairie de Petit-Bourg. Okay. Et on reçoit le groupe Masque à Clé. Très donc, ils viennent pour nous faire un concert de 2h, voire 3h, 4h de temps. Si le public redemande... Ben, 5h, 6h. Voilà, ah, ils sont là avec nous. Donc, on attend tout le monde nombreux. Venez, venez défiler, venez... participer, venez chanter, venez danser, venez vous défouler. On a assez de problèmes comme ça en Guadeloupe, il faut qu'on lâche un petit peu la pression. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver? Est-ce que déjà, première question forcément, question sécurité, est-ce que tout sera mis en place pour que tout un chacun soit à l'aise et puis surtout qu'on puisse venir en famille? Oui, bien sûr, on a pensé, bien évidemment, on a pensé aux familles, aux enfants, donc nos services assureront la sécurité, accompagnés de la police, la gendarmerie et tout le nécessaire sera fait. À ce niveau, vous pouvez venir tranquille, venir avec vos petites bancs, vos petites chaises et c'est bon. Est-ce qu'il y aura aussi, est-ce que les rues seront bloquées? Comment ça se passe? Ou est-ce qu'on pourra se garer non, pas trop loin de la place? Pas de blocage de rue, puisque c'est vraiment sur la place. Donc, il y a le parking derrière. Donc, je pense que les gens connaissent un peu la configuration de Petit-Bourg. Donc, non, mais là, on parle aussi pour les touristes, hein, au oui, cas où ils se demandent. C'est chez eux aussi, il n'y a pas de problème. On est chez soi à Petit-Bourg, donc à ce niveau, non. Pas de problème pour se garer. Ok, sinon il y aura quoi d'autre à part Masque à Clé? Est-ce que c'est vraiment un show spécial Masque à Clé? Show de... spécial. Okay. Et ils vont rester sur place ou au moment ils vont partir, non, ils vont bouger? Non, c'est vraiment sur place. Hein. Okay. Donc comment ça se présente la place de Petit-Bourg? Donc il y a le podium, donc ils seront sur le podium. C'est vraiment la section musicale. D'accord. Donc c'est un concert. Oui, donc après tous ceux qui comptaient peut-être défiler seront un peu déçus. Mais venez, ça vaut le détour. Sincèrement, ça vaut le détour de connaître Masque à Clé dans la rue, mais également sur, en concert, en fait, puisque les gens n'ont pas l'occasion, lors des défilés, de vraiment apprécier la section musicale. Exactement. Donc, c'est le moment. Est-ce qu'il y aura un petit peu comme à Noël, des cantiques, des cantiques? On aimerait bien, donc Masque à Clé, Masque à Clé, si vous entendez. Non, c'est vrai, pour que tout le monde oui, puisse chanter ensemble. Non, c'est une idée, ce serait vraiment intéressant. Si c'est vrai que le set, c'est un peu juste, mais s'ils peuvent, oui, ce serait vraiment intéressant de proposer quelques morceaux mythiques, en tout cas, pour que le public puisse suivre. Donc, tu conseilles aussi aux personnes âgées de venir avec leur chaise? Mais bien sûr. La totale, histoire de se mettre à l'aise? Voilà. Est-ce qu'on pourra aussi trouver de quoi se restaurer sur place? Oui, les vendeurs ambulants seront là, donc le petit beau kit, la petite crêpe. Il y a une pizzeria pas loin d'ailleurs. Ok. Donc, non, il y aura de quoi faire, de quoi se restaurer. Non, on a pensé à tout. Vous avez pensé à tout. Est-ce qu'il y aura même un petit stand? Et s'il n'y a pas, ça c'est une idée. Vous pouvez prendre ces cadeaux. Est-ce qu'il y aura un stand de maquillage? Pas, ce n'est pas prévu, mais comme tu dis, c'est une idée. Ouais. Donc, on pourrait peut-être mettre ça en place. Donc, écoutez, je vous invite à regarder ETV Service spécial maquillage carnaval. Vous contactez Babou Keller et elle vous fait ça
aux petits c'est oignons. Vrai. Justement, est-ce que les gens de Petite Bourse aiment se déguiser ou ont l'habitude de se déguiser pour ce genre d'événement? Oui. Parce que souvent on dit le Guadeloupéen n'aime pas trop se déguiser. Non, les gens jouent le jeu. Ouais. Les gens jouent vraiment le jeu. Donc, bon, c'est sûr que c'est plutôt les enfants, forcément. Mais ça donne aussi une idée. On pourrait peut-être organiser un petit concours du plus beau. Du plus bel habit carnavalesque ou du plus beau maquillage, tout simplement, Oui, ça peut être sympa. Donc, tu m'as dit qu'il y aura un podium, c'est bien ça. Exactement. Donc, vous pouvez rajouter des idées. Donc, vous pouvez éventuellement rajouter une petite élection d'un mini Miss Carnaval, d'un mini Mister. Mais je vous donne des idées. Voilà. Moi, je suis là pour ça. Et poignée, c'est gratuit. Tiens, Jenny, tiens, prends, vas-y. Mais c'est, tu vois, donc. Non, tu as raison. Effectivement, c'est une très bonne idée. Donc, bon, il faudrait venir le 7 pour voir si vraiment ils ont mis toutes ces idées en place. Mais bon, vu comment elle m'écoute là, je pense que ouais, c'est bon, c'est parti. Donc commencez à trouver un beau costume pour vos petits bouts de choux et envoyez-les sur le podium, chanter, danser. Est-ce qu'il y aura des jeux pour les enfants? Bon, ce n'est pas prévu, mais c'est encore une idée que tu alors, me donnes. Alors, Stylie, chef de projet. des petits jeux pour les enfants, comme ça, ils s'amusent tranquillement. Non, c'est vrai que comme ça... Alors, je sais pas, le concert commence à 21h, donc c'est vrai que 21h, mettre peut-être des jeux pour les enfants... À 20h Oui, après... À 19h30. Donc, c'est sur la place de la mairie, et il y a un petit parc pour les enfants juste à côté. Ouais. Donc, ils pourront s'amuser. Non. Excellent. Voilà. Sinon, on sait que ce n'est pas la seule date. Ah, et c'est ce qui est bien avec Petit-Bourg, parce que Petit-Bourg, c'est en plusieurs étapes. Il y a une partie, une deuxième partie et une troisième partie. Donc, la deuxième partie, là, c'est le rendez-vous du 15, si je ne me trompe pas. C'est le 15. Et là, toujours même concept, concert. Voilà, concert avec une petite nouveauté cette fois, juste avant le concert. Donc, à 19h, un jeu pour les enfants. On ajoutera les jeux pour les enfants. Voilà, sinon je ne viens pas. Moi, je vais voir les enfants s'amuser. Eh bien, pour Stylie, on demande d'ajouter le jeu. Un jeu pour les enfants, avec un stand de maquillage où tous les adultes devront se maquiller. Je trouve qu'on ne se maquille pas assez, on se déguise pas assez. Non, c'est vrai que niveau maquillage, je te rejoins. Ah. On ne se maquille pas assez. C'est le moment, c'est l'occasion. C'est l'extravagance, en Exactement. Fait. Exactement, allons se défouler ensemble. Soyons c'est fous. Ça, soyons fous. Donc, je t'ai coupé, excuse-moi. Rendez-vous le 15. Donc, le 15, à partir de 19h, pour un déboulé. Avec les groupes de Petit-Bourg cette fois. D'accord. Donc on aura les groupes mythiques tels que Atouband, Jimas, Fléa Coco, Morn Boumas, qui est un petit groupe qui s'est créé il y a quelques mois. Ok. Donc qui se fera connaître du coup. Donc c'est l'occasion. Donc venez nombreux, venez participer à ce déboulé puisqu'il sera quand même ouvert. Donc il est ouvert à tous? Ben oui, les gens pourront y intégrer. Donc il n'y a pas de petits ustensiles à payer. On peut vraiment rentrer comme ça? Non. Donc justement, maintenant que tu parles de paiement, je précise que les concerts, le déboulé, tout est gratuit. C'est important. On va le répéter. Tout. T'es gratuit. Voilà. Donc allez-y, sortez de chez vous. Voilà, vendredi 7 et le 15 aussi, sortez, c'est un samedi, amusez-vous. Voilà, samedi 15 février, 19h déboulé et 21h concert avec Akio. Oh là là, tu les as tous eus là. Oui. Là, tu les as scotchés. Je me dis comment? Déjà masque à clé le 7, ensuite le 15, on a Akio. Voilà, donc on finit en beauté. Hein. Petit Bourg, The Place to Be. Vieille. Alors le concert commence à 20h. 21h, excusez-moi. 21h pile ou à cause du déboulé, on peut dire 21h30? Ça peut déborder sur 21h30. S'il y a qui se joint à nous pour le déboulé, ça peut être sympa. Fallait pas en demander plus que ça. Tu vas voir, ils vont arriver à 18h. C'est parti. Alors, on est preneurs. Et c'est jusqu'à quelle heure? Jusqu'à pas d'heure. Hein, quand Akio dira stop, on dira stop. Excellent. Et là encore, même question niveau sécurité. À cause du peut-être que ça va changer à cause du déboulé. Est-ce que là encore, il y aura des rues bloquées? Oui, alors effectivement, par rapport au déboulé, ce sera un peu plus structuré. Ouais. Donc, il y aura les arrêtés pour la circulation. Mais on va pas, encore une fois, on ne bloquera pas la route. Okay. Donc, on n'empêchera pas les gens de venir sur Petit-Bourg. Vous pourrez vous garer à côté de la place, au niveau des parkings. Il n'y aura pas de souci. D'accord. Et là aussi, est-ce que vous prévoyez
des cantiques de carnaval. Le gars, il vient pareil, je lance le même appel à Kyo, si vous avez des cantiques, enfin, pas cantiques, mais... Ouais, faut pas répéter ce que je dis, c'est pas bon, mais au moins, je sais pas, un petit cahier mais avec les paroles. Voilà, exactement, au moins des chansons. Tous chanter en voilà, chœur. Ça serait vraiment intéressant, même pour les touristes, afin de connaître les morceaux. Exactement. Voilà, et de comprendre un peu les paroles. Non, c'est vraiment, ce serait intéressant. Et là aussi, est-ce qu'il y aura un concours pour les enfants? Ben, si, il y a le 7, il y aura le 15. Hein. Si on l'a donné pour le... C'est excellent. Mais bien sûr. Est-ce qu'il y aura un after? Ah, ça c'est faut venir pour voir. Faut venir pour voir. J'aime bien comment elle tease le truc parce que c'est excellent. Mais oui, je ne peux pas tout déballer comme ça. Il faut quand même qu'on laisse quelques surprises. Exactement. Alors, on rappelle que le nom donc des deux concerts, c'est Son à Masse. Son à Masse au Tibou, c'est bien ça. Au Tibou, c'est excellent. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver encore d'autre? Est-ce qu'il y aura des petits discours ou des petits trucs comme ça? Ou il n'y aura vraiment que le concert? C'est vraiment le concert. On va privilégier cette période carnavalesque. Bon, je pense que les gens ne sont pas venus forcément pour écouter des discours. Donc, on va vraiment enchaîner avec le carnaval et vraiment les musiciens. Donc là, toute la Guadeloupe, encore une fois, rendez-vous à Petit Bourg. Mmh. Son à Masse. Et oui, déjà, premier concert le 7 avec Masque à Clé. Et samedi 15, et oui, avec déjà le premier 19h. Ça sera le déboulé. Et ensuite, bien sûr, Akio, qu'on ne présente plus et qu'on a reçu aussi sur le plateau. Donc, allez voir les replays et puis ça va vous donner envie de sortir, bouger, danser. Profitez parce que le carnaval est super, super court cette année. Donc, on va prendre déjà aussi tes impressions. Est-ce que toi, tu préfères quand elle est longue ou quand elle est courte? Sachant que tu es dans l'organisation, donc souvent... Voilà, donc ça dépend. Je suis un peu mitigée. Par moment, j'aime bien avoir une longue période carnavalesque, mais c'est vrai que c'est un peu fatigant à la longue, puisque ça fait que chaque week-end, il faut être là à préparer les costumes. Et tout. Donc c'est vrai que... Même moi, c'est bon, c'est suffisant. Et que dirais-tu aux gens justement pour les inciter? Parce que souvent, ils aiment bien rester chez eux aussi pour regarder la télé et regarder les parades, tout ça. C'est pas la même chose. Voilà, donc invite-les à sortir. Il faut être dans la rue pour voir, il faut être parmi la population, prendre la chaleur. C'est vraiment ça le carnaval, c'est le partage. Il faut se déplacer, il faut... Faut être avec la population. Voilà, faut être avec vos concitoyens. Exactement. Sortez, amusez-vous, dansez, chantez, maquillez-vous, sautez. Hey, le 7 et le 15. Alors maintenant, si on veut avoir plus d'informations, si on veut justement savoir où, quand, comment, sait-on jamais, peut-être qu'ils ont loupé le début de l'émission, est-ce que vous êtes connectés sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp, email, numéro de téléphone? La totale. Oui, on a la totale. Alors, c'est parti. Le Facebook... Petit Bourg, la ville qui bouge. Instagram, ville de Petit Bourg. Et le numéro de téléphone, 06 90 63 14 03. Excellent. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres choses pendant le carnaval? On sait, on répète encore une fois que c'est court. Mais est-ce que Petit Bourg nous réserve d'autres surprises, peut-être, pendant le carnaval? Ça pourrait. Ça pourrait. J'aime bien comment elle tease le truc, c'est excellent. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Merci à toi. Ce fut un plaisir. Toujours, on rappelle, et oui, chef de projet de la ville de Petit Bourg. Donc, si vous avez des questions, vous demandez Mélissa Christophe et puis elle vous renseigne. Justement, est-ce que vous avez peut-être des artistes, si des artistes ont vu l'émission et qui veulent venir peut-être pour faire une première partie, est-ce qu'ils peuvent vous contacter et participer ou est-ce que c'est totalement fermé, le programme il est clos? Non, c'est vrai que pour cette période, oui, pour le son à Masse au Tibou, c'est clos. C'est clos. Et s'il y a des artisans, je demande, s'il y a des artisans qui souhaitent peut-être mettre un stand de maquillage ou même, je sais pas, de produits locaux, est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Oui, avec plaisir, je ne suis pas fermée. Et puis, même si ce ne sera pas pour cet événement, par la suite, on a d'autres événements, donc... Oui, n'hésitez pas à appeler tout artisan, tout artiste, c'est la culture, hein, donc oui, avec plaisir. Excellent, merci en tout cas, voilà, je donnais des idées. Après, les amis, le reste, c'est à vous de jouer. Le temps justement de remercier mes partenaires, bien sûr, ceux qui m'habillent de la tête aux pieds, l'écrin, Abaster, et puis encore une fois, si vous en avez marre de faire votre lessive et de repasser un petit peu comme Mélissa Christophe, direction le moule Net Blanchisserie Pressing, merci encore d'être passé sur le plateau. Moi, je vous dis, bien entendu, rendez-vous demain pour un nouveau numéro de ETV Service sur ETV. À demain.